Le Seigneur éclaire-moi. Les dieux qui a éclairé le peuple dans les déserts, les dieux qui a conduit le peuple dans les déserts, il est éclairé par la colonne des nuées, il est éclairé par la colonne de feu. Éclaire aussi ma vie maintenant, que je marche dans ta lumière. Je veux marcher dans ta lumière. Tu as déclaré dans ta parole, toi tu es la lumière du monde. Oh Jésus, la lumière qui éclaire ma vie, la lumière qui éclaire ma famille, la lumière qui éclaire mes enfants, la lumière qui m'éclaire, c'est toi. Je veux que tu m'éclaires cet après-midi. Bien-aimés, prie là où tu es. Prie, prie, monte en prière. Monte en prière, bien-aimé, monte en prière. Monte en prière, il est Dieu, monte en prière. Monte en prière, bien-aimé. Monte en prière, il a besoin de t'écouter. Monte encore en prière. Monte encore en prière, il est Dieu. Monte encore en prière, bien-aimé, monte en prière. Monte en prière là où tu es. Monte en prière. Il est Dieu, il t'écoute. Il est Dieu, il t'écoute. Il est Dieu, il t'écoute. Monte en prière. Bébé dit que Seigneur, toi tu es la lumière du monde. Éclaire ma vie ce soir. Éclaire ma vie. Demande à ce que le Seigneur puisse t'éclairer. Et que tu marches dans la lumière du Seigneur. Et que la lumière du Seigneur te conduise dans son chemin. Que tu voies sa grandeur. Que tu voies sa grâce. Éclaire encore. Tu es Dieu, Jésus. Éclaire ton peuple. Monte en prière, monte encore en prière. Monte, bien-aimé, sois connecté à la prière. Il est Dieu. Il est Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Parce que tu es Dieu. Le Dieu merveilleux, c'est toi. Osalisa, mais où est-ce que tu as dit? Le cabende le malicolo.
Commencez à élever le nom, car la Bible nous dit, on nous a
nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus est au-dessus de la maladie. Le nom de Jésus est au-dessus de la sorcellerie. Le nom de Jésus est au-dessus de la pauvreté. Commence à élever ces noms. Commence à monter en prière. Monte en prière là où tu es, bien-aimé. Commence à prier. Prie, bien-aimé, ne te relâche pas. Commence à prier, bien-aimé. Entre dans la dimension de la prière. Élève le nom de Jésus devant ta situation. Là où rien ne marche, là où rien ne va, commence à élever ce nom. Commence à élever ce nom. Commence à élever ce nom. Il est Dieu. Il t'écoute. Allez, prie, bien-aimé. Monte en prière. Prie, bien-aimé. Monte encore en prière. Monte encore en prière. Parle-lui, t'écoute. Parle-lui, t'écoute. Il a besoin que tu lui parles cet après-midi. Il a besoin que tu lui parles cet après-midi. Parle-lui, t'écoute. Déverse ton cœur devant le Dieu grand. Parle-lui en ce moment. Devant ta situation. Là où tu es bloqué. Là où tu es bloqué. Commence à élever le nom de Jésus. Commence à élever le nom de Jésus. Commence à élever le nom de Jésus. Là où rien ne marche, bien-aimé. Élève le nom. Élève le nom. Élève le nom. Devant les problèmes difficiles que tu es en train de traverser maintenant. Devant les difficultés. Là où tout est bloqué maintenant. Commence à élever le nom. Prie, bien-aimé, ne te relâche pas là où tu es. Ne te relâche pas. Ne te relâche pas. Parle-lui, t'écoute. Parle-lui, t'écoute. Il t'écoute en ce moment. Il t'écoute en ce moment. Il est Dieu, il t'écoute. Bien-aimé, parle-lui, il est Dieu, il t'écoute. Parle-lui, il est Dieu, bien-aimé. Il a besoin que tu lui parles. Cet après-midi, parle-lui. Monte en prière, monte en prière. Monte en prière. Il t'écoute, bien-aimé. Il t'écoute. C'est un Dieu qui agit. C'est un Dieu qui agit. Parle-lui en ce moment. Il a besoin que tu lui parles. Parle-lui, bien-aimé. Parle-lui, parle-lui. Déverse ton cœur. Dis-lui ta désir de ton cœur. Dis-lui, Seigneur, je ne peux plus. Dis, Seigneur, je suis limité. Dis, Seigneur, je n'arrive plus à m'en sortir devant cette situation qui se présente devant moi. Dis, Seigneur, je suis incapable. Dis, Seigneur, je suis incapable. De me lever cet après-midi. De me lever cet après-midi. De voir ta grandeur. Je suis incapable. C'est pour cela que je viens élever le nom de Jésus. Je viens élever le nom grand de Jésus. Je viens élever le nom grand du Seigneur. Oh, bien-aimé. Parle-lui, t'écoute. Parle-lui, t'écoute. Il est Dieu. Il est Dieu. Il a besoin que tu lui parles en ce moment. Le bel ensemble de Wana. Banda kolo ma problème na yo. Banda kota l'Israël mon na ma problème na yo. Banda kota l'Israël ma difficulté na yo. Bien le bel Seigneur t'écoute en ce moment. Sois connecté. Sois connecté. Sois connecté à la prière. Parle-lui, t'écoute, bien aimé. Parle-lui, t'écoute. Il est Dieu, il a besoin de te parler. Parle-lui en ce moment. C'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu merveilleux. Un Dieu bon, redoutable. Même le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui écoute. Je voulais que tu lui parles encore, bien-aimé. Écoute-moi. Prends ta situation. Prends ton problème. Déverse-les encore au pied du Seigneur. Bébé, je veux que lorsque tu pries, bébé, que le trône de Dieu soit bougé en ce moment. Parce que c'est un Dieu bien-aimé. Fais comme Bartimée. Bartimée, ce jour-là, lorsqu'il a entendu que Jésus était passé, Bartimée criait plus fort. Mais les gens qui étaient tout autour voulaient empêcher Bartimée de crier. Mais la Bible nous dit, Bartimée criait encore fort jusqu'à ce que Jésus arrêtait sa marche. Mais le Kangaï, le Banzamba tellement de l'opon a problème là. Difficulté sur les canakats sa vie na yo. Le baya est tellement le lot. Parce que ces jours-là, Jésus n'a pas continué la marche. Il s'est arrêté à cause de la crie de Bartimée. Oh, mais crie na yo, la prière.
qu'elle arrête les marches de Chiss. Mais il y a un problème aux Anango. Situation aux Oleka. Et où Meli? Que le Seigneur s'arrête. Mais pour que le Seigneur s'arrête, il faut que ton cri dépasse les gens qui se sont tout autour de toi. Il faut que ta prière monte dans ce qui bloque. Que le Seigneur voie que non, il y a ma soeur qui est en train de crier. Il y a mon frère qui est en train de crier. Je vais m'arrêter aujourd'hui pour les problèmes de ma mère Sil. Je vais m'arrêter aujourd'hui pour les problèmes de Kéti. Je vais m'arrêter aujourd'hui pour les problèmes de Mireille. Bébé, tu dois prier. Que le Seigneur s'arrête. Monte encore en prière. Allez, mon Dieu. Tu es Dieu, Jésus. Tu es Dieu, Seigneur. Yahweh, tu es Dieu. Je vais voir mon problème. Yahweh, c'est réalisé cet après-midi. Oh, Père de gloire, toi, tu es Dieu. Yahweh, toi, tu es Dieu. Cette situation durée. Cette situation durée. Le médecin sont capables. Les gens sont capables de me donner la solution. Je viens vers toi, Jésus. Je viens vers toi, Jésus. Crie à où tu es, mais ne m'esprit. Que ta prière aujourd'hui arrête la marche de Jésus. Que Jésus se tourne pour te regarder. Amen. Ta prière, mais ne m'esprit. Monte encore en prière. Monte encore en prière là où tu es. Mais monte encore. Que le Seigneur s'arrête ce soir pour ton problème, pour tes difficultés, pour la situation de ta famille. Continue à monter en prière pour les problèmes des enfants. Toi qui cherches les
enfants commencent à dire, Seigneur, la stérilité a duré. La stérilité a duré. La stérilité a duré. Je veux avoir des enfants. Je suis dans un mariage. Ça fait longtemps que je n'arrive pas à concevoir. Quel est le prix? Mais Seigneur, ces jours-là, tu t'es arrêté. Pour le problème de Bartimée, les lots, et la colonne en gaille. Bien aimé, que le Seigneur s'arrête. Que le Seigneur s'arrête pour ton problème ce soir. Que le Seigneur s'arrête pour ton problème. Azali Zambe. Bien-aimé, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Tous les problèmes de tes enfants commencent à prier. Oh, je l'aime bien. Commence à pleurer maintenant. Commence à déverser ton travail entre les mains du Seigneur. Maintenant, je déclare,
je déclare maintenant que la guérison se manifeste dans ta vie maintenant. Toi qui es malade, que tu reçoives la guérison maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la guérison se manifeste dans ta vie et que tu voies la main de Dieu et que tu voies la situation changer ce soir parce qu'il est Dieu. Mais le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de guérison. Toi qui as besoin des enfants, écoute-moi. Ce soir, je déclare que le Seigneur te visite et que tu puisses voir la grandeur de Dieu et que la main de Dieu te touche là où tu es et que tu reçoives les enfants au nom de Jésus. Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de bonté. Mais écoute-moi, toi qui as besoin de mariage, je voulais te dire ce soir, oh bien-aimé, je déclare que tu trouves le bonheur dans la maison d'un époux. Comme Ruth, elle a trouvé le bonheur dans la maison de Boaz. Je déclare que tu reçois au nom de Jésus. Il est Dieu. Il est Dieu, bien-aimé. L'homme était l'élo. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de bonté. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu. Mais les problèmes que tu as, les difficultés que tu as, ce qui t'a dérangé pendant des années, ce qui t'a dérangé pendant plusieurs années, que tu n'as jamais trouvé la solution, je suis en train de déclarer maintenant, je suis en train de libérer une forte onction maintenant, que ton problème trouve la solution, que ton problème trouve la solution maintenant, au nom de Jésus. Il est Dieu. Il est Dieu. Notre Dieu est merveilleux. C'est un Dieu merveilleux. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu merveilleux. Bien-aimé, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu merveilleux. Tu vas commencer à le remercier. Commence à le remercier déjà. Commence à le dire merci. Parce que la Bible nous dit, tout ce que vous avez demandé, croyez, vous les ferez s'accomplir. Bien-aimé, la chose que tu viens de demander, là où tu t'es déversé devant le Seigneur, crois. Commence à remercier le Seigneur pour cette chose-là, pour cette grâce que le Seigneur t'a accordée. Prie, bien-aimé. Monte en prière là où tu es. Commence à monter en prière là où tu es. Remercie-le, remercie-le, il est Dieu. Remercie-le, il est Dieu. Les dieux bons et redoutables. Les dieux qui s'élèvent au-dessus de tous les cieux. Je te remercie pour la situation de ma soeur. Je te remercie pour la situation de mon frère. Yahweh, qui sont présentes, Seigneur, qui se sont présentées devant toi cet après-midi. Oh, Père de gloire, toi tu es Dieu. Toi tu es Dieu, Seigneur. Toi tu es Dieu, Yahweh. Je te remercie, Seigneur. Je remercie ton nom, je remercie ta gloire, le Dieu de bonté, le Dieu de grâce. Tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu merveilleux. Bien-aimé, dis-lui merci. Commence à le remercier pour ta situation, commence à le remercier pour ta famille. Bien-aimé, prie là où tu es. Remercie le Seigneur pour ta situation, pour tes enfants, pour tes frères et sœurs, pour les problèmes, Seigneur, qui se présentent devant toi. Prie, remercie le Seigneur. Dis merci les dieux, remercie-le. Dis Seigneur, je te dis merci pour le travail que tu m'as donné. Je te dis merci pour les enfants que tu m'as donné. Je te dis merci pour ce Seigneur, ma femme que tu m'as donné. Bien-aimés, prie pour ton mari, prie pour tes enfants, prie pour tes frères et sœurs. Commence à prier. Commence à prier, il est Dieu. Il est merveilleux. Commence à prier. Remercie-le pour la situation familiale. Remercie-le pour le travail. Remercie-le pour la grâce. Remercie-le pour l'abondance qui t'accorde encore en ce moment. Il est Dieu. Bien-aimé, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Prie, bien-aimé. Prie, remercie le Seigneur. Remercie-le, il est bon, il est bon. Le Dieu que nous servons, il est bon. Il est merveilleux. Remercie-le pour la grâce, remercie-le pour l'abondance. Remercie-le pour la vie, pour la grâce et pour l'abondance qu'il te donne. Remercie-le, il est Dieu. Il est le véritable Dieu. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu merveilleux. Incomparable, c'est toi, Seigneur. Au nom de la Kémo, au nom de la Saint-Jean, Seigneur Jésus.
C'est un Dieu merveilleux, c'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu merveilleux, nous les remercions. Nous les remercions, c'est un Dieu merveilleux. Nous les disons merci pour ce moment de prière, parce que c'est un Dieu merveilleux. Les dieux qui nous assistent, les dieux qui nous donnent encore la paix, les dieux qui nous donnent encore l'amour, c'est un Dieu bon et redoutable. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer par notre partage de la parole de Dieu. Parce que nous croyons que notre Dieu nous fait du bien. Amen. Les dieux que nous servons nous fait du bien. Un Dieu bon, un Dieu redoutable, un Dieu merveilleux, qui nous accorde encore l'assurance, Amen. Qui nous accorde encore l'abondance, qui nous accorde encore la paix. Amen. C'est pour cela, bien-aimé, je suis heureux. Lorsqu'on me parle de cet homme de Jésus, lorsqu'on me parle de cet homme, cet homme a changé ma vie. Amen. Je voulais que là où tu es en train de me suivre, que cet homme te change encore cet après-midi. Amen. Là où tu n'as pas encore connu le Seigneur, sache que c'est une bonne chose de connaître l'homme de Galilée. Amen. Mais tu peux tout manquer, manque de tout. Mais ne manque pas les dieux que nous te présentons. Mm-hmm. Ne manque pas le Seigneur. Ne manque pas ces dieux. Il est tellement merveilleux. Il est tellement bon que nous les levons et nous les célébrons. Amen. Un Dieu d'amour. Un Dieu plein de compassion. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Qui peut t'aimer comme ces dieux? Mais maintenant, on a encore la Zambie. Qui peut t'accorder cet amour? Qui peut t'aimer? Mais l'homme que nous te présentons, c'est un homme qui est plein d'amour. Regarde cet homme. À cause de l'amour, il a abandonné sa royauté. Oh, bien-aimé, écoute-moi. À cause de toi, ma soeur, qui me suis, à cause de toi, mon frère, c'est Dieu a dit non. J'enlève le costume de la royauté. Je descends pour aller chercher mon épouse qui est en bas. Amen. Il est tellement merveilleux. Bébé, il t'a aimé. La Bible nous dit que cet homme nous a aimés avant la fondation du monde. Il t'a aimé. Mais le Seigneur t'aime. Les hommes peuvent te dire qu'ils t'aiment. Hein? Des paroles de flatterie. Il te dit qu'il t'aime parce qu'il te voit là, tu es en bonne santé. Il te dit qu'il t'aime parce qu'il te voit là, tu as l'abondance. Les hommes peuvent te dire qu'ils t'aiment parce qu'il faut que tu aies une situation favorable. Mais le jour, écoute-moi, le jour où tu seras dans la 17, ces mêmes personnes qui te disaient qu'ils t'aiment, ils t'abandonneront. Amen. Mais tu vas commencer à les chercher. Tu es où mon frère? Oh, je suis très occupé. Tu es où ma soeur? Oh, je n'ai pas le temps. Oh, tu es où? Oh non, je suis vraiment occupé. Mais l'homme reste hein, l'homme. Mais cet homme, écoute-moi, cet homme est de Jésus. L'amour parfait du Père. S'il te dit qu'il t'aime, il ne t'abandonnera jamais. Mais il ne t'abandonnera jamais. Nous qui te disons, nous t'aimons. Les jours où tu vas mourir, nous allons t'accompagner au cimetière. Nous allons te laisser là. Même si nous allons pleurer. Ma soeur, elle est partie. Mon frère est parti. Mon papa est parti. Nous t'abandonnons. Mais nous allons retourner. Bébé, tu vas rester seul. Là, 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 tu resteras seul. Même si nous pleurons. Mais ces jours-là, nous allons seulement venir. Nous t'abandonnons. Et nous nous partons. En plus, remarquez, lorsque nous allons rentrer encore, on va griller les kamundé avec un peu de chikwang. Même si j'étais en train de pleurer, mais j'avais mangé la chikwang. Hey, nous retournons. Ceux qui boivent la bière, ils vont continuer à boire la bière. Ceux qui boivent du sucré, ils vont continuer à boire du jus. Mais nous, nous t'avons abandonné. Mais lorsque nous sommes rentrés, nous avons mangé la chikwang et nous avons bien fait. Nous t'abandonnons. Écoute-moi. Mais cet homme, Yoka bien, cet homme, lorsqu'il dit qu'il t'aime, même lorsque tu es là, seul, sache-le que ton âme est dans le repos parce que le Seigneur te garde. Amen. Yoka bien, Neko. C'est là ton amour doit se tourner que vers cet homme de Jésus.
Bien-aimé, ton attachement va se tourner que cet homme de Galilée. Lui, lorsqu'il parle, lui, lorsqu'il est en train de parler, la Bible nous dit que sa parole est comme la pluie. Hey, écoutez-moi, lorsque la pluie descend, c'est pour que la terre puisse avoir la semence. C'est pour que la terre puisse germer. C'est pour ça que nous te disons que cette parole, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Lorsqu'il vient, c'est pour que toi qui étais stérile, tu puisses germer. Écoute-moi, que la stérilité tombe dans ta vie. Amen. Oh, Nekoyo Kangai. Lorsque la pluie vient, c'est pour donner la vie à la terre. Ça veut dire que toi qui n'avais pas des enfants, que tu puisses recevoir les enfants au nom de Jésus. Amen. Parce que la pluie est venue du ciel. Amen. La vie de Dieu est venue parmi nous. Amen. Oh, bien-aimé, écoute-moi. C'est pour ça que tu dois t'attacher à ces dieux. Ne les laisse pas. C'est un Dieu véritable. La pluie descend dans ta vie. Afin que toi qui manquais le travail, que tu reçois le travail cet après-midi au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, le ciel a ouvert la bouche. Écoute-moi. Le ciel qui était fermé depuis tout le temps, depuis le péché d'Adam, le ciel a été fermé. Mais à la croix, cet homme a ouvert le ciel pour que ton problème puisse recevoir la solution. Oh bien-aimé, tu as la solution à ton problème. Amen. Parce que tu crois à ce Dieu que nous te présentons. Amen. La solution ne viendra pas de ton père. La solution ne viendra pas de ton oncle. Ton oncle est incapable de te donner la solution. Mais seul ce Seigneur que nous te présentons est capable de pouvoir résoudre ton problème. Amen. Hey, bien-aimé, aujourd'hui, l'obité l'élo, que ta situation change. Amen. Hey, amen. Que ta situation change. Amen. Toi qui es malade, que le Seigneur accorde la guérison au nom de Amen. Jésus. L'obité l'élo, parce qu'il est Dieu. Amen. Bien, nous avons parlé de Bartimée. Écoute-moi. Bien, mais cet homme était là, aveugle, assis au bord de la ville. Il a seulement écouté, écouté la renommée de Jésus. Il pose la question, c'est qui passe? On lui dit que c'était Jésus de Nazareth. Oh, bien-aimé, la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mm-hmm. Mais l'homme qui était aveugle, même s'il n'avait pas la capacité de voir, mais Bartimée restait avec l'oreille. Hey, yo kangai. Mais l'oreille, elle est très importante. S'il faut que ton oreille soit circoncis, je te pose la question, qu'est-ce que tu écoutes? Hey, oyo kakanini. Parce que ce jour-là, Bartimée a écouté la renommée de cet homme et de Jésus. Amen. Mais nous mangeons par l'oreille. C'est-à-dire que la parole de Dieu, notre bouche, ce n'est pas ça. Ça, c'est pour le foufou et le pondou. Mais notre bouche, c'est ici. Parce que lorsque la parole entre, il ne rentre pas dans la bouche, Amen. La parole entre à l'oreille. Amen. Il faut que ton oreille soit circoncis. Afin que lorsque nous te parlons, que tu puisses recevoir l'abondance de ces dieux. Amen. Amen. Bébé, garde ton oreille. Tu es là toujours à écouter les musiques du monde. Tu es toujours à écouter des choses qui ne donnent pas la vie. Garde ton oreille, afin que tu n'écoutes que la parole de l'Éternel. Amen. Yoka. Neko Yoka n'a dit. Bartimée a écouté. Il pose la question. Qui est cet homme qui est en train de passer? On dit à Bartimée, c'est Jésus. Mais Bartimée qui était aveugle, il s'est levé. Il a commencé à crier. Fils de David, aie pitié de moi. Bébé, je voudrais qu'aujourd'hui, que là où tu es, que le Seigneur puisse écouter ta prière. Que le Seigneur puisse écouter ton cri. Que le Seigneur puisse t'écouter aujourd'hui. Bébé, remarquez, il y avait la foule qui était là. La foule commençait à empêcher Bartimée de pouvoir crier. La foule empêchait Bartimée de pouvoir crier vers le Seigneur. Mais ne regarde pas la situation. Je voulais te dire une chose, toi qui me suis. La maladie que tu as, c'est aussi la foule qui t'empêche que ta prière puisse arriver vers le Seigneur. Yoka bien.
Bien-aimé, écoute-moi bien ce soir, toi qui m'écoutes. Les difficultés qui se présentent devant toi, elles représentent la foule qui t'empêche de pouvoir crier afin que le Seigneur puisse écouter ta prière. Mmh. On disait à Bartimée, tais-toi, ne crie pas. On empêchait Bartimée de crier. Mais Bartimée ne s'arrêtait pas. Il ne regardait pas la foule. Il ne regardait pas les gens qui étaient devant lui, qui l'empêchaient de crier. Mais Bartimée criait. Lorsqu'il criait, il criait plus que la foule. Hé, Yoka, bien-aimé, il faut que ta prière surpasse les gens qui surpasse les gens qui sont tout autour de toi. Il faut que ta prière soit au-dessus de ton problème. Il faut que ta prière soit au-dessus de ta maladie. Il faut que ta prière soit au-dessus de tes difficultés. C'est-à-dire que ne regarde pas la situation. Ne regarde pas les problèmes. Toi, crie encore. Monte encore en prière pour que le Seigneur puisse s'arrêter. Amen. Hey, bien-aimé, écoute-moi. Il y a beaucoup de gens qui étaient en train de crier aussi. Mais Bartimée aussi criait. Mais pourquoi Jésus n'a pas regardé les cris de tout le monde, mais il a écouté seulement les cris de Bartimée. Mm-hmm. Ben, mais tu peux crier là où nous sommes en train de prier là. Ben, mais est-ce que ta prière peut monter jusqu'à ce que le Seigneur puisse arrêter sa marche? Mm-hmm. Ben, parce que lorsque tu pries, pose-toi la question avec quelle position tu cries. Lorsque tu pries, est-ce que tu pries avec ton cœur? Lorsque tu pries, est-ce que tu pries avec la foi? Que ce qu'on est en train de dire, que ce que tu es en train d'écouter peut donner la solution à ton problème. Amen. Il est Dieu. Mm. Mais les gens criaient. Il y avait la foule qui criait. Mais Bartimée aussi criait dans la foule. Mm. Mais Jésus, écoute-moi. Jésus ne s'est arrêté que pour les cris de Bartimée. Parce que la Bible nous dit que Bartimée criait encore plus fort. Lorsqu'on l'empêchait, il a dit non, je n'abandonne pas. La maladie me fatigue, je n'abandonne pas. Les difficultés me fatiguent, je n'abandonne pas. Je sais que je ne suis pas capable, mais je n'abandonne pas. Lorsqu'on l'empêchait Bartimée de crier, c'est là que Bartimée criait encore plus fort. Mm-hmm. Mais la foi, c'est lorsque tu cherches la chose, mais tu ne la trouves pas. Tu continues à prier pour une situation, mais tu n'as pas encore reçu la réponse. Mais toi, tu ne t'arrêtes pas. Tu continues à prier pour un sujet, mais le Seigneur ne t'a pas encore répondu. Mais toi, tu ne t'arrêtes pas. Amen. Aussi longtemps que tu n'as pas encore reçu, aussi longtemps que le Seigneur ne t'a pas encore accordé, je continuerai à prier pour ce problème-là. Amen. C'est ça le problème de Bartimée. La foule l'empêche, mais il crie encore plus fort. Oh, bien-aimé, je voulais que cet après-midi, que ta situation ne t'empêche pas de prier. Amen. Que les problèmes que tu es en train de passer ne t'empêche pas de te donner à Dieu. Amen. La situation difficile que tu es en train de traverser en ce moment ne t'empêche pas de te détourner, ne t'empêche pas d'être encore au pied du Seigneur et de prier pour cette situation. Amen. Il est Dieu. Amen. Mais Jésus, il était en train de partir. Il partait, il continuait son chemin. Mais il s'est dit non. Il s'arrête. Il s'arrête. Jésus s'arrête à cause du cri de Bartimée. Lui qui était aveugle, le Seigneur tourne. Il dit appelez-moi cet homme. Oh bien-aimé, je voudrais que cet après-midi, que ton cri arrête la marche de Jésus. Amen. Oh bien-aimé, que le Seigneur s'arrête pour ta situation. Amen. Que le Seigneur se tourne. Et il te regarde, il te cherche, il voit ton problème. Je voulais que ce soir, bien-aimé, que le Seigneur résout ton problème. Là où tu ne vois rien, là où il n'y a pas de solution, que le Seigneur accorde la solution dans ta vie. Au nom de Jésus.